Yo yo yo, bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Alors, on s'est quitté ici la dernière fois, on avait de graves problèmes de gestion. Là, on est en automne, bientôt, je crois que dans cette saison, on peut planter le blé et j'ai intérêt à le faire maintenant, si c'est le cas, on va vérifier ensemble. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Le blé, il est où? Le lin, d'ailleurs, même le lin. Le lin, c'est au printemps. Ok, le lin, c'est au printemps. Pourquoi j'ai pas de blé sur moi, là? Oh! J'ai pas de graines de blé sur moi, j'ai tout donné? Oh! Attends. La betterave, normalement, c'est au printemps. La carotte, c'est. La carotte, c'est en hiver. Ok. Ah ouais, tout coûte cher en fait, hein. Il faut vraiment qu'on aille chercher des cochons pour. Ouais, il faut absolument qu'on aille chercher des cochons pour faire du fumier, sinon on va pas s'en sortir. Ça va nous coûter beaucoup trop cher. Du seigle par ici. On a juste un terrain de blé, je pense. Il va nous manquer le seigle, c'est fait. Pavot, c'est fait. Il va nous manquer l'avoine. J'ai pas l'avoine. J'ai pas du tout d'avoine. Il faut en préfabriquer. Il faut préfabriquer d'avance. Donc, je vais prendre un peu de graines de blé sur moi pour connaître un petit peu quand même. Ah, l'automne. Aïe, 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 aïe. Alors, semer champ à l'aide d'un sac au printemps et à l'automne. Voilà, donc j'ai bien fait d'avoir douté. Donc, on va faire un terrain de blé tout de suite. Pourquoi le terrain de blé? Elle est toute seule à travailler. Ah, ils sont deux à travailler. Ok, cool. Donc là, on a un problème. Où est le champ de blé? C'est bizarre quand même. Je l'ai pas détruit là. Gestion. Gestion, champ, on a quoi là? Ça c'est quoi ça? On va faire semblant de changer pour voir. Sélection, afficher les détails. Voilà, ok. Ça c'est quoi? Changer de plante pour voir. Le blé, c'est le blé ça. Le blé. Ils vont le faire quand alors? Ah, ils vont le faire après le truc. Il manque une troisième personne alors. L'avoine, on n'a pas. Je pense pas. On n'a pas encore d'avoine. Ça, c'est le lin. Donc, il nous manque l'avoine et c'est terminé. Pavot. Ah, pavot non plus, c'est pas posé. Pavot non plus, c'est pas posé. Et le pavot, c'est dans quelle saison? Faut absolument que je pose les terrains à l'avance. Est-ce que je viens de payer une ugosse là? Non, pas besoin de payer. Alvin. Ok, pour l'instant, ça va. Par contre, j'ai perdu une journée de drague avec ma femme. Elle est où? Ça va, ma femme? Tu vas bien? Lol. Je sais pas où elle est partie. Je pense qu'elle est dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Il travaille, j'espère. Si, il travaille. Pourquoi il y a un symbole de personnage? Pourquoi il y a un symbole sur lui, là? Qu'est-ce qu'il fout? Eh, hey, psst! Edgar! Mais pourquoi il y a encore un symbole sur lui? Je l'ai pris déjà! Je comprends pas. C'est comme ça maintenant? C'est un bug là, les amis! Attendez, il travaille pour moi et il y a encore le symbole sur lui là, regarde! Lol! Bon, il faut absolument que je trouve ma future femme. Tiens, on va voir où est-ce qu'elle est sur la map. Faut que je la drague, faut absolument que je la drague. Voilà, elle s'appelle Léopolda Bûcheron. Elle est à ma gauche, donc elle est dans la forêt. Ou alors elle est collée à ce bâtiment-là qui est le dernier. Voilà, elle est là. Bébé, 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 s'il te plaît, mon amour. Non, c'est pas toi, pardon. Edgar, attends, elle est où?
Ah, je crois que j'ai aperçu. Je crois qu'elle est là-bas. Pourquoi t'es parti loin comme ça là? Exactement comme dans la deuxième saison, quand j'ai dragué, il a fallu que je cours dans ces environs-là. Allez, c'est parti. Nous devrions sortir pour aller déjeuner au bord de la rivière ensemble. Voilà. Ok? J'ai entendu dire que c'est vraiment joli à cette époque de l'année. Je pense qu'à 79%, on peut l'inviter quand même, hein. Plus 15, 94. 70% de chance. Je pense que je peux lui demander en mariage. Hein? Ou je tente encore. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va gratter encore un petit peu. Allez, vas-y. Plus 3, ça fait 97. Et là, ça nous fait 85%. Alors, je me suis mis à la chasse récemment. J'en ai fait affronter un ours. Là, ça va lui plaire à 100%. Et donc, voilà, plus 15. On est à 100%, les amis. C'est parti. La victoire est à nous. Chance 100%. Bon, bah, mon amour, écoute, tu m'as beaucoup manqué ces derniers jours. J'arrête pas de penser à toi. Et ça devient Iajin. Il faut que je te demande en mariage Iajama. Et donc, est-ce que tu voudrais m'épouser? Est-ce que tu voudrais me donner un héritier pour notre village? Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est pas grand-chose. Et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Voilà. Oui, je vais t'épouser, Alhamdoulilah. Vous avez fait de moi l'homme. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Et pas que, ma chérie. Pas que. Allez, à partir de ce soir, je vais m'occuper de toi. Héritage. Bon, bah, vous connaissez, hein. Blablabla, blablabla. Il faut, je sais pas combien d'années. On va lire quand même ensemble parce que j'ai un petit peu oublié. L'héritier assure la survie de votre dynastie. Je vous l'avais dit, hein, qu'elle est, elle est mienne. Comme ça, c'est pour ça que je voulais pas que mettre dans une autre chambre avec un autre mec, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, malgré qu'elle a quand même beaucoup d'affection pour moi. Mais comme je connais pas la nature du jeu à fond, on sait jamais, ça peut nous trahir. Et donc, j'ai pas envie de redraguer depuis zéro avec une autre femme. Voilà, tout simplement. L'héritier assure la survie de votre dynastie. Après avoir décidé avec votre épouse d'avoir une descendance, elle donnera naissance à un fils. La mère s'occupe de l'enfant pendant 2 premières années de sa vie, ce qui rend incapable de travailler lorsque votre fils aura 18 ans. Il sera en mesure de reprendre la dynastie après votre décès. Je compte pas mourir pour l'instant, on s'en fout. Voilà, ok? Donc elle, mon bébé d'amour, je veux voir tes compétences. Chérie, chérie, chérie. Ah! Normalement, on peut repenser à zéro. Et je pense que je vais repenser à zéro une compétence. Ouais. Je dois repenser mes talents. Mes talents, et ce sera mes talents de diplomatie, parce que je veux. Merci mon amour, à plus tard. Je vais revoir mes compétences là, ici, de diplomatie. Donc le blabla, c'est très important. Affection supplémentaire pour gagner en flirtant. Ah merde. C'est depuis que j'ai augmenté ça, c'est pour ça que ça fait 15% à tous les coups. Donc là, expérience gagnée grâce à activité de diplomatie. On va l'activer. Révélation PNJ pendant les conversations. Ça, c'est important. Voilà. Meilleur prix de vente et de l'achat. On va augmenter à 3. Il me reste un seul point. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je m'en fous du roi. Je m'en fous complètement. 5 plus grandes approbations de base. Je sais pas ce que ça veut dire ça. 5 plus grandes approbations. Bref. Réduction d'humeur plus lente de 10%. Je pense que je vais choisir ça pour l'instant. En flirtant. En flirtant, en flirtant. Est-ce que c'est pour le mariage ou est-ce que c'est pour. Ou est-ce que c'est pour les affections, affections. Ah oui, j'ai plus besoin parce que c'est ma femme maintenant.
On va prendre réduction d'humeur plus lent. On va prendre ça. Voilà. Voilà. Elle m'a sauvé la vie, ma femme. Au revoir, mon amour. Tu vas faire quoi à manger ce soir? Sinon, hein? Steak frites. Bon, bah, je suis super content. Je sais plus du tout où se trouvent les cochons, mais on va chercher ensemble. Alors, quelle est ma mission? Je me suis marié avec elle. Tiens, je vais créer un champ à l'avance. Je vois pas le blé là, ça m'inquiète un petit peu. Où est le champ de blé? Normalement, le champ de blé, il est ici là. Ah, il est fait. J'ai l'impression qu'il est un peu petit. Ok, il nous reste l'avoine. Je vais mettre un champ d'avoine à l'avance. Ou de pavot, je sais plus. Attends. Merde. Ah, c'est pas vrai. Ok, on va installer le champ à l'avance. Voilà. Et après, on va chercher qu'est-ce qui manque. Ok. Voilà, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui manque. Ça doit être un champ de lin. On va rien faire pour l'instant parce que j'ai peur que si jamais on arrive à la saison et que c'est pas fait, j'ai l'impression qu'il manque du monde là. J'ai pas envie de perdre. Franchement, j'ai pas envie de perdre du tout. Ils sont deux à travailler. Là, on est début de saison. Ça va le faire, ça va le faire. Attends, je vérifie pour être sûr et certain. Donc, on a un champ de blé, on a un champ de seigle, je crois, un champ de lin, un champ de. Oh là, c'est quoi le seigle? Ah oui, ça c'est le seigle. Et puis le lin, là il manque le pavot et l'avoine. Ah ouais, quand même, deux champs il me manque. Mince alors. Bon bah on va mettre tout de suite. Mais j'ai pas assez de... J'ai pas assez là. J'ai pas assez. Putain, la meuf elle va s'asseoir là, la pauvre. Elle va s'asseoir là pendant plusieurs... 300 bois chauffage, c'est très bien. 86 rondins, je vais les sortir de là. Ah, je suis content là, ça monte à 300 quand même, hein. Donc là, je peux me permettre encore de sortir 100. C'est bientôt le soir, ils vont sûrement utiliser. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis grave content. Donc, rondins, on les sort. J'ai plusieurs bâtiments, je sais pas quoi faire. Le charbon, je le jette. Voilà. On va essayer de trouver un cochon, peut-être, non? Est-ce que j'ai du monde là? Là, le monde est complet. J'ai encore oublié de vérifier le foin. Saute. L'engrais. L'engrais, il n'y a rien qui sort. Donc, j'ai pas programmé à produire l'engrais. C'est un problème, ça. J'oublie tout le temps. Dans la grange, ok. Dans la grange, l'engrais. Ah, bah si, c'est 100%. Bah alors, pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien là? C'est bizarre ça. Y a personne qui travaille ou quoi? Alors, est-ce que ça descend? Je m'en souviens. 465. Ah, si, ça travaille. En fait, ça a été utilisé directement. Ils se sont servis directement. Ok. Et là, il en manque. Eh merde! J'ai mis à 100%, je peux pas mieux faire, hein. Là, il le fait déjà à l'avance. Il prépare déjà à l'avance le terrain, c'est pas mal.
Bah, dans ces cas-là, je vais lui rajouter un autre terrain. Donc ça, c'est la prochaine fois, ce sera l'avoine, soit l'avoine, soit... Par contre, le blé, il est petit, hein. Je sais pas combien il y en a dans le blé. Ah, mais j'en ai beaucoup déjà. J'en ai beaucoup. Donc là, je vais faire un champ. Je sais pas s'il y a de la place. Je vais essayer ici, là. Voilà, on va préparer le terrain à l'avance, comme ça il va labourer à l'avance. Ah, il y a plus de possibilités avant que avant. C'est pas mal. Allez, on fait à partir de là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est dans quel sens? Attends. Alors attends. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 6, 12, 18, 24, 30. On va faire un carré, c'est pas grave. Voilà, ok. Là, c'est bien. Par contre, le champ de blé, il me rassure pas du tout. Ici, le champ de blé. Ah, quand même, il est à 30. Les carottes à 36. Ça, par contre, c'est trop. Bon, bah, c'est pas grave. On va laisser pourrir. Au pire, plus tard, on fera un champ de oignons et on va laisser pourrir aussi. Du coup, ça va marcher tout seul l'affaire, hein. Bon, je suis content. Je sais pas si l'hiver va nous faire perdre les champs pré-labourés comme ça, là. Bon, maintenant que je suis marié, mon amour, je vais la revoir à la maison. On va allumer le feu pour elle. Voilà. Hein, c'est elle qui fera le ménage. Bon. Pourquoi elle est ici, elle toute seule? À 6500? Ah, 6500, je suis loin du compte. Tu veux pas venir tout de suite avec moi? Ma femme est pas jalouse, non? Putain, c'est pas vrai ça. Elle est prête à venir en plus. Ça. Ah ouais, donc là il faut faire beaucoup beaucoup de quêtes pour gagner des points. Là on a un champ de 6, 5 fois 6, 30, 10 fois. Ouais, ok, là c'est bon. On va les laisser. On choisira à la fin. Je vais regarder quand même. Alors. Ah, le pavot il est pas sur moi. Avoine. Avoine. Le printemps uniquement, ok? Attends, c'est où? L'avoine. Merde, c'est pas là. Voilà, ici. Oh là là, les amis, il faut absolument que je trouve les pavots. J'en prends une graine sur moi. Je vais en prendre peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, voilà. Alors, le pavot, c'est encore au printemps, ok? Donc, est-ce que j'ai le temps d'aller acheter un cochon? Quelle heure il est? Quelle heure était-il? 5h, 6h, 7h. Je m'en souviens plus, c'est qui vend des cochons, les amis? Je suis passé par là en plus. L'autre, ils vendent des chèvres. Ah, c'était loin d'ici, je crois. C'était loin d'ici. Bon, bah, j'irai demain matin. C'est beaucoup trop tard maintenant. Le temps que j'arrive, c'est déjà trop tard. Je vais pas courir bêtement comme ça. De toute façon, il n'y a personne ici pour l'instant. Je manque de personnel. Donc là, si je prends quelqu'un, je vais devoir obligé, je vais devoir décommander une personne d'ailleurs. On va voir quelles compétences, quel côté c'est. Compétences, porcherie, attribuer. Voilà. Et c'est ici. D'accord? Le fermier, il en a 5. Waouh! Fermier 5. C'est pas mal ça. Hein? On a combien de fermiers là? Normalement, on a 3 fermiers. 1, 2, 1 ici. Niveau 5, d'accord. 2 ici.
Et le troisième, ils sont plus que deux maintenant? Ah, ils sont plus que deux. Ok. Maintenant que je me suis marié, je sais même plus quoi faire. Ah, lol. Ah, voilà. On va essayer de trouver l'argile. Il y en a 54. Est-ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes ou est-ce que je dois le faire? On va réduire un petit peu les frais de. Tiens, on va prendre ça quand même. Et on va aller dans le village. On va aller dans le village de Unighost pour essayer d'acheter du fumier quand même, l'engrais à l'avance. Allez, on va essayer de gratter encore quelques centaines de pièces d'or. C'est chaud, 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 patate, les amis. Je cours comme un dingue là. J'aimerais bien construire les maisons de niveau 3. Je vais m'arrêter là-bas et je vais regarder pour voir combien à combien je suis de niveau avant de pouvoir construire la maison de niveau 3. Et encore, on dirait qu'il y a encore du monde. Oh my god! 3. 3 chasseurs, 3 farms. Ok. Qui est-ce que je dois voir ici déjà? Tiens, Unigos, tonton, tonton, achète-moi s'il te plaît. T'as de l'argent, toi, t'es toujours plein de thunes. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Lol. Attends, qu'est-ce que j'ai fait avec lui là? Vous avez une minute? Approbation. Ah ouais? Attends, avec un peu de chance. Avez-vous... Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Même sur lui, ça colle pas. Bon, voilà ce qu'on va faire. On a, voilà, lui là, on va aller le voir. On va aller le voir, lui là. Voilà. On va essayer de récupérer un peu de marchandises quand même. Fumier. Ah mais mince, ça aussi je dois acheter. Ah ouais. Je dois fabriquer aussi les seaux et tout. Nourriture pour animaux. Si j'ai pas d'avance, je pourrais pas nourrir. Ça coûte cher, hein. Oh putain. J'ai intérêt à fabriquer moi-même. Attends. On va aller voir. On va aller voir comment ça. Comment on peut fabriquer la nourriture nous-mêmes. Alors. Culture, grange, d'accord? La nourriture pour animal. Nourriture pour animal, il nous faut graines d'avoine. Oh! Graines de seigle et 5 pailles. Oh là 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 là! Ah ouais! Heureusement que j'en ai un peu d'avance. Mais l'avoine, j'en ai pas du tout. Donc, Ah, c'est chaud! J'ai tout fait sauf l'avoine. Et c'est dégueulasse, hein. Ça a été inventé après, hein. Avant, il n'y avait pas de ça dedans, hein. Voilà, donc là je suis en retard sur tout, sur tout, sur tous les domaines. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Voilà. Ok, là j'ai pas du tout d'avoine. Il va falloir attendre la prochaine saison. Et bon, bah demain matin, je vais chercher. Attends, mais lui là, il peut acheter mes plumes, non? Demain matin, je vais aller chercher des cochons. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas du tout moyen. Et je crois que nourriture pour animal, je vais devoir l'acheter tout de suite. Ah, les amis, ça a augmenté le prix. Et ben voilà. Et ben on va recommencer à faire du business avec ça alors. Ouais, je m'en souviens. Bon, bah, c'est pas grave. On va stocker ça à l'avance. J'ai beaucoup d'argent. Je m'en souviens, c'est parce que la dernière fois, il y a eu un bug. Ça a effacé, réinitialisé complètement. Ça a réinitialisé
C'est pour ça que je me suis planté et comme je suis pas marié, je ne pouvais pas augmenter la diplomatie dans la vente et l'achat. Et c'est pour ça que ça a baissé à 1,40 en fait. Voilà, c'est pas les développeurs qui ont changé ça, mais c'est plutôt leur mise à jour qui a planté, qui m'a planté. Du coup, j'ai eu quelques points de retard, mon bébé d'amour. Voilà, même si je suis pas avec toi, je suis gentil. Je vais allumer le feu pour toi, d'accord? Si je pouvais mettre. Franchement, si je pouvais mettre. C'est qui toi? Ah non, c'est ma femme. Mais amor, qu'est-ce que tu fais là, mon bébé d'amour? Attends, je vais lui parler un peu. Non, arrête de demander de l'aide. Non, non plus. Oh, ça me fait chier. Franchement, ils auraient pu mettre un toit quand même pour un feu ou alors mettre à l'intérieur d'une pièce. Franchement, ça c'est nul à chier. Je pense que je vais leur envoyer. Oh, une dette? Pourquoi j'ai une dette là? Je pense que je vais leur envoyer. Un message pour dire de fabriquer un toit ou une toiture pour les gens. Vas-y, je vais lui parler un petit peu. Comment tu vas, bébé? Il fait beau aujourd'hui, tu trouves pas? Plus 5, ok. Hein? Personnalité naturaliste? Ok. Récemment, je me suis mis à la chasse. Mais comment on peut vous voyer à sa propre femme? N'importe quoi. Ok, bah c'est pas grave, voilà. Ah mais non, mais ça augmente même pas le moral, laisse tomber. Bon bah. Ah mais. Je sais pas s'il faut dormir avec elle pour avoir l'enfant. Comme jamais je dors. Jamais je dors dans ce jeu. 160 kilos. Beaucoup de viande. On récupère la viande. On va de l'autre côté. Je vais essayer de fabriquer les plats. Ah bah les amis, c'est déjà la fin de l'épisode. Ça passe trop vite. Lol. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer ici? Des choux. Des choux, mais je peux plus bouger. Graines de choux, graines de seigle. Il manque de l'avoine. Les baies, on va laisser moisir ici. Ok. Les champignons aussi. Oh, ça me fait chier de pas avoir de moutons là. Combien de bâtiments j'ai là? 34. Il manque un seul bâtiment. Et on va aller vérifier ensemble, les amis. Salut la compagnie. Comment allez-vous? Oh là là. Je cherche une femme, une deuxième femme à me marier. Il y a quelqu'un de célibataire? Non? Ouais? Non? Ouais? Je plaisante. Ah, maintenant on peut voir tous les. Ah ouais. Ah lol, c'est nouveau ça. Ok, d'accord. Ah, c'est parce que j'ai acheté la compétence supplémentaire pour les voir. Ok, d'accord. Mais je crois que c'est pas nécessaire, hein. Franchement, c'est une compétence perdue pour rien. Alors, ma femme, le moral est à 13. Je vais. Là, il faut recruter encore deux femmes. Il y a une maison de libre. Comme ma femme, elle est sortie de là. Mais là, je ne peux pas recruter du monde. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Tiens, je vais déposer ça déjà. Le foin, j'en ai acheté sur moi. Tiens, on va poser ça déjà. Et on va vérifier les couteaux pour le lendemain matin. 900, 200 kilos. Oh, c'est intéressant. Là, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Ok. Fumier, j'en ai un peu sur moi. Je vais déposer là-bas directement. Soit je fabrique moi-même. Ouais, franchement, en hiver avec un feu comme ça, les personnes ils sont même pas assez habillées. Ça va pas trop le faire, hein. C'est pas très joli à voir. C'est comme mon fils dans l'ancienne série saison 2 là, je vois mon fils avec pieds nus, s'il te plaît. Alors que les adultes sont habillés super bien et tout. Ah, il leur faut un petit mot là, je vais leur toucher un petit mot. Alors, putain, j'ai pas de seigle, c'est pas vrai ça. Graines de seigle. J'ai pas de seigle. Pourquoi? Pourquoi tant de haine?
Comment ça se fait que j'ai pas de seigle? Ah, ils ont mis ici, d'accord. Bon bah c'est pas grave, je vais prendre ça avec moi. 68 kilos, ça va le faire. Je peux bouger ou pas? Ouais, ça va pas du tout. On va laisser ça. Ok, c'est bon. Voilà. Je sais même pas quelle quantité c'est. 44, 11, 13, 19. Bah, c'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Donc, voilà ce que je vais faire, les amis. Voilà, je suis super content. Quelqu'un se met devant un feu. J'adore ça. Ça fait de la lumière. Malheureusement, là, j'ai qu'un seul. Ah ouais! Donc, la mission, c'était ma femme. Attends, c'est débloqué? Oh putain, je suis dégoûté. Je croyais que c'est débloqué. Donc là, il faut avoir... dans 2 ans seulement, j'aurai un enfant. Et là, je gagne 5000 points de dynastie. Et j'aurai une récompense de 44. Donc, 9 bâtiments supplémentaires. Là, ça devient intéressant dans 2 ans. Dans 2 saisons. Ça, c'est pas mal. Déjà, j'ai une femme, c'est pas mal. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est draguer dès le début au lieu de courir comme un dingue. Et plus vite j'ai la femme, la solution c'était ça en fait, hein. Plus vite j'ai la femme, plus vite je me marie, plus vite j'ai l'enfant et plus vite je débloque des compétences. Voilà. Par contre, je crois qu'ils n'ont plus rien à manger. Je vais prendre ça. Je vais fabriquer une vingtaine pour eux. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Il manque la viande. Alors, la viande, je vais peut-être laisser pourrir un peu de viande supplémentaire. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup là, regardez. Ça sert à rien, je vais laisser moisir ça. Vas-y, on va essayer. Je vais juste tenter comme ça. On va fabriquer une vingtaine de plats pour eux déjà. Non, surtout pas. Ragoût, carottes, voilà. Hein? Comment ça? Bon bah c'est pas grave, on va faire les choux. Non plus. Il y a un problème là. Je sais pas si c'est les bols. C'est les bols, ok. 20. Voilà. Attends, qu'est-ce que je vends là? Qu'est-ce qui est préférable? Les carottes, il est à 75% avant de cramer. C'est pas mal, hein, c'est intéressant de laisser moisir la viande et tout. On a beaucoup de choux encore. Je vais tenter le coup avec l'ancienne viande, enfin la nouvelle viande. Ça on va laisser ici. Les bols, je prends tout. Je prends tout. Voilà, ok. On va essayer. Allez, vas-y. Je vais faire juste quelques plats et ensuite le reste. Putain, ça consomme trop ça. 2 carottes. Et si je prends les choux, c'est 2 choux aussi, 3 viandes. 2 viandes. Ah ouais. Ils font tout pour nous faire perdre en fait, hein. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va faire une quinzaine de plats pour les gens. Voilà. Comme ça, on va remettre là-bas. Normalement, s'il n'y a rien à manger, je pense qu'ils vont, ils vont taper dans les champignons et les baies. Logiquement, c'est comme ça. Et autrement dit, bah, ça nous fait gagner des plats, quoi. Les plats, on peut les conserver pour les revendre. Je pense qu'à l'avenir, je vais prendre toujours, toujours des nouvelles viandes, puisque par jour, ils en chassent beaucoup. Allez, c'est bon, là, ça me saoule. Voilà. On verra ça après. Je vais vérifier une dernière fois avec vous.
pour être sûr et certain, d'accord? Je vais reposer les plats là-bas. Voilà, je vérifie une dernière fois avec vous pour voir, pour être sûr et certain que la quantité de viande qui arrive est suffisante. Elle n'est pas du tout suffisante là. Donc aujourd'hui, il n'en arrive que 156 de toute la journée. C'est pas beaucoup. D'habitude, ça arrive beaucoup plus que ça. Alors voilà ce qu'on va faire. Il réclame pas, hein, vous avez vu, avec les baies, il réclame pas du tout les plats. Donc les plats, je peux les vendre nettement supérieurs. Bah, on va les laisser avec les champignons et les baies, hein, tant pis. Tant qu'ils réclament pas, moi ça me convient parfaitement. Voilà. Ok les amis, je vais prendre les graines de seigle, je vais mettre de l'autre côté, comme ça si jamais je leur demande de travailler, ils auront de quoi travailler. Par contre, ceux qui font les... Je sais pas s'ils sont capables d'aller chercher à la grange ou s'il faut leur mettre dans carrément dans les trucs de l'autre stockage. Alors, ici, on a graines de chou, il y en a trop. Voilà. Graines de seigle, il y en a trop. Voilà. Quoi d'autre? Nourriture pour animaux. Ah! Nourriture pour animaux, je sais pas où mettre là. On va essayer de mettre ici pour voir si où qu'il va récupérer. La paille, j'en ai beaucoup. Pourriture, ça descend. On est pas mal, hein. Je crois pas qu'on va perdre. Hein. Les baies, on va mettre de l'autre côté pour qu'ils mangent. Je sais pas s'ils ont pourri. Ah, c'est pas encore pourri, 75%. Tiens, on va les mettre là-bas, comme ça va remplacer la nourriture. J'ai pas pensé à ça au début, les amis. Franchement, ça nous aurait moins cassé les pieds sur les plats. Plutôt que de pleurer, là, ils ont plein de trucs à bouffer. Je vais tenter le coup, je vais rien faire du tout. Je récupère ça, d'accord? Je récupère ça. Et voilà, et je vais régler la viande. Tiens, je vais prendre cette viande-là, je vais la faire. Voilà. Je vais la faire et pour demain matin, je vais régler les pavillons de chasse. On va régler, on va diminuer le cuir, on va augmenter la viande. On va augmenter la viande, diminuer le cuir encore. Voilà. Voilà, et comme on a 4 pavillons, ça va aller très très vite en quantité. Les plumes, on va se calmer un petit peu. Ah si, les plumes. Les plumes, ça revient. Les plumes, ça revient. On va laisser ça comme ça. Le pavillon de chasse numéro 3. On va augmenter un peu dans la viande. Augmenter un peu dans le cuir. Voilà, ça devrait être bon. Les plumes, on va laisser. La viande, on va laisser. Ça devrait le faire. Diminuer un tout petit peu ça. Hop, voilà. Quoique. On va laisser. Hop, voilà. Et... Ah, ça y est, on a atteint le dernier. Alors, attends. 60 en plumes. Ouais, c'est bon, hein. C'est lui qui cloche là. 35 viande, cuir. Ouais, c'est bon. On va laisser comme ça. Pavillon de chasse. Merde. Il est où mon pavillon de chasse? Il est où? Ah, non, c'est pas lui. Chasseur. Chasseur, c'est lui. Collecteur, voilà, c'est ici qu'il faut régler à 100%. Ok, c'est très bien. Donc pour l'instant, lui, il fait son travail. Arrivé au printemps, il va falloir que je rajoute à 100% les baies, puisqu'il y en a beaucoup plus. Voilà, c'est bon. La viande salée, qui c'est qui fabrique? Oh là là, c'est compliqué. Je vois pas comment on va faire pour récupérer le sel tant qu'on n'a pas le. Tant qu'on n'a pas l'autre bâtiment là, ici là, j'en ai marre là. Stockage. Non, c'est pas ici. Il est là.
Là, on est loin du compte, les amis, hein. On est très très loin du compte. Il manque encore la moitié. Donc je vais construire encore des maisons pour voir si ça augmente. Attends, je vérifie une dernière fois et après on va arrêter l'épisode. Là, stockage. Stockage. Extraction 2669. Ok? Je vais essayer de construire les maisons sans arrêt pour voir si ça augmente. Dans les. Ma femme, il faut que je rentre dormir avec elle. Ça va pas, ça? Je vais rentrer à 4 heures pour dormir. Ça suffit largement. Une heure pour dormir avec elle, c'est bon. Lol. Bah, c'est ce qui se passe dans ma vie, là, les amis, hein. Là, je fais. Il est 6h30 du matin. Je dors pas de la nuit, hein. Pour faire les épisodes. Lol. Donc là, on va mettre ça dedans. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter mon épisode ici. Les choux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, je vais faire l'argent avec les plats quand même. On va prendre les choux en priorité. Ouais, on va conserver les choux. Je vais prendre ça. Je vais rendre ça. On conserve tous les choux parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Voilà, là je vais prendre. Je vais prendre le maximum. Hop. Hop. Voilà, là je peux plus bouger. J'ai tout sur moi. Je prends ça aussi. Je prends les pierres. Je prends les bâtons. Et on va faire le test. Bon, voilà les amis. Je vais arrêter là pour l'épisode parce que ça sert à rien que vous restiez devant la bouffe. Ça va durer une éternité. Ça marche les amis? Avant que vous voulez que je laisse. Non, je vais pas, je vais couper. Ça sert à rien les amis. Ça sert absolument à rien. Là, il est très exactement 22h. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, voilà. Voilà les amis, à très bientôt, ciao ciao bye bye, bisous à tous.